C'est vrai que la province du Kasaï central a massivement élu le président de la République. Mais en retour, contrairement à d'autres provinces, nous attendions beaucoup du président de la République. Nous saluons en passant l'initiative, la vision du président de la République pour cette région. Mais malheureusement, le programme de 100 jours, je crois que vous devez poser la question au coordonnateur provincial du programme de 100 jours, qui doit nous dire qu'est-ce qu'il a fait de tous les fonds décaissés. À peu près 32 millions de dollars qui ont été décaissés pour cette province, qui n'ont bénéficié qu'à certains individus et non à la population de Kasaï central. Ça, nous avons dénoncé et le président de la République est au courant. Nous l'avons vu à maintes reprises pour dire qu'écoutez, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, fils du Kasaï central, nous n'avons pas bénéficié du programme de 100 jours. Alors, les individus qui sont impliqués dans les détournements de fonds de 100 jours doivent répondre de ces faits-là. Que la justice fasse son travail. Ces gens-là sont connus, qu'on approche le cabinet du Président de la République. Parce que le coordonnateur national du programme de 100 jours se trouve être le directeur du gouverneur du président de la République. Alors en province, ce qui devait normalement coordonner ça, c'était le gouverneur de province. Mais nous avons été écartés parce que le programme a commencé le 2 mars. Nous sommes arrivés au mois de mai. Alors il y a des individus qui se sont appropriés de ces programmes avant que nous on arrive. Ces individus sont connus. Et moi je pense que si vous approchez le cabinet du président de la République, ce cabinet nous dira qui était le coordonnateur provincial du programme de 100 jours au Kasaï central. Parce que je sais qu'au Kasaï oriental, le coordonnateur du programme de 100 jours se trouve être l'honorable Alexis Kadima. We'll be right back.